Après deux mois de vacances, les yeux risquent de piquer quand le réveil va sonner ce matin. C'est la rentrée, fini les grasses matinées, fini les horaires décousus. Comment réhabituer les enfants au rythme scolaire Quelles sont les bonnes habitudes à prendre Notre invitée va nous donner plein de conseils. Bonjour Sylvie Diozica. Bonjour. Vous êtes pédiatre depuis plus de 30 ans. Vous êtes également membre fondatrice du collectif Surexposition Écran. Est-ce que c'est un moment qui peut réellement être brutal, la rentrée Oui, c'est pas facile. Après, comme vous l'avez dit, deux mois de vacances, c'est compliqué, c'est compliqué, mais voilà. Ça dépend aussi comment on a préparé les choses pendant les vacances. Mais les enfants sont souvent prêts et très impatients. Et ça peut donner lieu à du stress aussi? Oui, oui, il peut y avoir du stress, bien sûr. Après, ça dépend du stress des parents également aussi. Hein. Tout ça, il euh, y a une transmission. Les enfants sont des vraies éponges et donc euh, le ressentent. Donc euh, voilà, les parents, gérer votre stress aussi. Est-ce que vous, <laughs> vous avez plus de consultations au, au moment de la rentrée ou des consultations différentes Alors les deux, c'est-à-dire plus de consultations, c'est clair. À la fois parce qu'ils vont faire du sport, à la fois parce que les parents veulent remettre un petit peu les choses à plat sur certains points. Le sommeil et autres, on va en parler. Et puis, euh, effectivement, beaucoup de questions et en intensité, oui, plutôt plus hein. en pédiatrie. Quel genre de questions Eh bien, justement. Euh, bah, préparation de cette rentrée, de la façon dont les journées vont s'organiser, euh, notamment le sport, les activités physiques, que faire. Et puis, et puis, et puis les écrans viennent assez rapidement, la notion du, ben bien sûr, la notion du portable. Hein, le portable, ça rentre dès la, seconde, la, la sixième, parfois même avant. Et donc ça, c'est des points importants sur lesquels les parents ont besoin d'informations, beaucoup. Parce que les écrans, euh, voilà, pendant les vacances, j'imagine que les parents euh, laissent un peu plus de, de, de liberté aux enfants sur, sur ce point-là, mais à la rentrée, il faut faire vraiment attention. Oui, on lâche, on lâche parfois un peu trop en vacances et effectivement, il faut reprendre vraiment à la fois en temps, en contenu aussi, ça c'est super important. Et puis parce que tout ça a un retentissement majeur sur le sommeil notamment. Et donc, euh, si on n'a pas bien géré les écrans le soir, la qualité de ce qu'on va regarder, euh, le retentissement sur le sommeil en qualité, en quantité, est vraiment important parce que l'enfant va moins bien s'endormir, il va mettre plus de temps à s'endormir et puis il va se réveiller éventuellement en faisant des cauchemars parce qu'il s'est passé des choses. Euh, il a vu des images et ainsi de suite qui sont un peu compliquées. Donc oui, vraiment gérer alors, quels conseils quel conseil vous donnez, sachant que j'imagine que ce ne sont pas les mêmes pour des petits, des, des ados, des adolescents euh, Est-ce que vous nous dites pas d'écran du tout Non. Alors, les règles importantes, et moi j'incite les auditeurs à aller sur le site du collectif Cause, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'infos le CO... pour les familles. COSE. c -O -S -S -E, collectif Cause sur exposition, vraiment parce qu'il y a de l'information euh, à tous les âges. Alors, avant deux ans, avant trois ans, pas d'écran, et donc ça c'est un sujet à part entière dont il faudrait parler longuement. Ni téléphone, pour... ni télé, rien du tout. Avant d'aller à l'école, non. Avant d'aller à la crèche, non. Et globalement, chez le tout petit, non. Et on pourrait, encore une fois, il faudrait pouvoir en parler un peu plus et comprendre pourquoi. Après, chez les enfants plus grands, je pense qu'il y a des règles importantes qui sont tout simplement pas d'écran les jours d'école, pour plein de raisons dont là aussi il faudrait parler longuement. Et on peut dire aux parents, pour donner des infos assez simples, c'est pas le soir avant de dormir, comme on l'a dit, il y a un retentissement sur le sommeil, et sur la qualité. Pas en mangeant, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, cette notion du repas qui est un moment d'échange important. On dit aussi pas avant d'aller à l'école et pas donc avant d'aller à la crèche par exemple parce que l'attention est moins bonne et puis aussi très important là c'est dur à mettre en place surtout chez les ados c'est pas d'écran dans la chambre la chambre c'est pour dormir alors, justement, le sommeil, euh, bah, il faut se recaler, euh, faut recaler les enfants sur le rythme scolaire. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment difficile, ça, pour les petits comme pour les ados Oui, ça peut être très difficile, absolument, parce que ça dépend ce qu'on a fait pendant les vacances, ça dépend depuis combien de temps on a remis les choses en place. Euh, clairement, il faut se lever tôt et il faut donc se coucher tôt. Alors, souvent aussi, moi, les parents me disent, euh, bah, euh, du coup, je l'ai réveillé au dernier moment pour aller à l'école parce qu'il fallait qu'il dorme, ainsi de suite. Ça, c'est bah pas, bon, pas. pas une bonne idée, non. Ouais, parce que le matin, il faut Même si prendre ça lui fait temps. quelques minutes de sommeil en plus. Et bah non, il vaut mieux le soir euh, gagner enfin 10 minutes de sommeil, donc on fait le contraire et on se lève plutôt en forme. Les maîtresses, elles sont ravies de voir des enfants bien réveillés quand ils arrivent à l'école, par exemple, et puis qui sont vraiment disponibles, c'est-à-dire qu'ils ont bien parlé avec leurs parents dans la meilleure euh, situation possible, qu'ils ont déjeuné aussi ensemble, et ça c'est important aussi de prendre le temps de ce petit déjeuner. Un enfant a besoin de combien d'heures de sommeil Alors selon ça, les dépend de son aussi, âge. Ouais. Voilà, il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs. Il y a des enfants qui se lèvent tôt, qui se, euh, qui ont besoin de se coucher tôt, euh, comme les adultes en fait. Hein, donc il n'y a pas de règle absolue, mais enfin globalement, un enfant a besoin d'au moins 9h, heures, 10h heures de sommeil, beaucoup plus qu'on ne croit. Et il y en a certains qui se lèvent tôt le matin, mais en fait, c'est par exemple pour aller voir la télé alors qu'ils sont encore fatigués. Donc, attention les pièges. Et pour les plus petits, ceux qui ne sont encore jamais allés à l'école, comment on leur explique qu'il faut se lever tôt <laughs> bah Alors les, les plus petits, effectivement, vous avez raison, s'ils ne sont pas allés à la crèche, s'il n'y a pas eu ce rythme-là avant, ça s'apprend. Ils sont aussi très impatients, ils sont très contents hein, d'être socialisés, de retrouver les autres enfants. Euh, donc, euh, voilà, il faut mettre ça en place. Idéalement, un peu avant là on est le 1er septembre si on n'a pas commencé c'est jamais trop tard ça va se mettre en place les enfants ils sont ils ont un potentiel d'adaptabilité très impressionnant beaucoup plus que nous des fois et c'est quoi les conséquences d'un manque de sommeil ah, elles sont très importantes vraiment ça c'est essentiel à la fois la qualité la quantité du sommeil est vraiment importante ça a des conséquences sur les apprentissages sur la mémorisation sur les fonctions exécutives donc tout ça c'est la scolarité c'est l'apprentissage ça a des conséquences sur l'humeur enfin je sais pas comment vous êtes quand vous n'avez pas assez dormi on est tous pareils en hein. ronchon. voilà en ronchon et ben <laughs> les enfants le et quand vous êtes tronchon, fatigué, et ben vous êtes forcément moins apte à apprendre, moins apte à avoir des relations apaisées, tranquilles, moins apte à supporter la frustration pour les plus petits. Donc vraiment le sommeil, c'est un point fort très important. Donc le sommeil, vous nous avez dit aussi les repas et le petit déj, on le zappe pas ah Non, on le zappe pas le petit déj, hein, avec un repas qui se fait en position assise à table. Là aussi, il y a la motricité fine qui s'adapte chez le petit, qui va être importante. Il y a aussi un équilibre alimentaire et puis surtout, c'est l'occasion d'échange parce qu'après on se voit plus. Toute la journée. Donc, si on fait ça devant la télé ou avec euh, voilà, on n'est pas très disponible, on n'a pas le temps, on se dépêche, c'est un peu dommage. Est-ce que vous trouvez qu'à l'école, au collège, au lycée, la pause de déjeuner est suffisamment grande Ça varie hein, selon les établissements, selon les emplois du temps. Il faudrait vraiment préserver ce, ce, ce moment, pas, pas avoir 30 minutes, voire une heure euh, pour, pour manger Ça, oui, bien sûr. Hein. Plus on a du temps pour échanger, et puis certains enfants mangent doucement, notamment quand ils sont en petite à l'école maternelle. Donc, oui, bien sûr, il faudrait plus de temps, probablement. Vous avez d'autres conseils à donner oui, à nos parents Oui, un autre point qui est important, c'est l'activité physique. On n'en a pas parlé, c'est vraiment essentiel. Moi, je trouve qu'il y a vraiment trois points. Les repas, le sommeil, je le redis, et puis l'activité physique. Autre il que a... les cours de sport à l'école Oui, autre que il les faut cours faire de sport. Un... Alors, il faut et même faire... si on fait une demi-heure ou une heure de plus en primaire maintenant, il faut aller à pied à l'école. C'est quand même une bonne chose. Il faudrait avoir une activité sportive assez régulière. C'est un signe aussi de bonne santé. Il faut profiter là, des associations sportives qui sont actuellement, je crois, prêtes à recevoir les enfants. Il faut aussi que les parents savent qu'au collège, il y a l'association sportive qui est pas chère, voire gratuite. Et c'est bien que les collégiens continuent à faire des activités sportives en plus de l'école. Donc lâcher le portable et plutôt le sport. <laughs> Sylvie Diozica, il y a un certain nombre de pédiatres qui alertent sur l'état de santé psychologique des jeunes, parfois même des très jeunes. Est-ce que vous le constatez vous aussi oui, oui, absolument. Chez les tout petits, comme effectivement les scolaires, comme les collégiens, vraiment, les... beaucoup d'enfants ne vont pas bien et très clairement... Il euh, y a quand même un lien important évidemment à tout ce qui s'est passé, le confinement, le, le Covid, mais il y a un lien aussi avec la gestion de l'Internet. Je vois beaucoup d'enfants qui sont en difficulté parce qu'ils ont des accès à des images inadaptées, euh, involontaires, hein, mais parce qu'il me semble essentiel de protéger l'enfant dans le milieu du numérique comme on le fait dans le milieu normal. Et ça, ce n'est pas assez fait. Je pense que les parents ont besoin vraiment d'être soutenus, aidés sur ce sujet. D'où euh, mon appartenance à ce collectif euh, où il y a beaucoup de données, le collectif cause. Une dernière question un peu plus générale, hein, Sylvie Dieu-Ozicast, à propos euh, du rythme euh, finalement de, de l'année scolaire en France. Euh, de grandes vacances, deux mois, voire deux mois et demi, hein, pour euh, quand il y a des examens euh, dans, dans, dans l'établissement scolaire, parfois on part en vacances euh, un, un petit peu avant, euh, avec des journées à rallonge le reste de l'année. Vous en pensez quoi moi, j'en pense quoi <laughs> J'en pense qu'effectivement, effectivement, c'est pas le rythme tout à fait adapté pour les enfants, et que la priorité, ce serait de faire des choses beaucoup plus euh, effectivement étalées dans le temps, de façon à ce que, par exemple, les enfants travaillent. Oui, ils travaillent pas mal le matin, et que l'après-midi, ça soit tout à fait autre chose que du travail, c'est-à-dire de l'activité physique, des activités autres que de l'apprentissage. Et donc, du coup, il faut plus de temps. Donc moins de vacances, répartir les choses différemment. Bien sûr, ce serait bien pour le rythme de l'enfant. Merci Sylvie Dioziga. Vous êtes pédiatre et membre fondatrice du collectif Surexposition Écran. Et vous étiez l'invité du 5-7. Bonne journée à vous.